Kate Middleton a publié une vidéo bouleversante ce vendredi 22 mars sur le compte Instagram du prince de la princesse de Galles. Après des semaines de spéculation, elle a annoncé être atteinte d'un cancer. En janvier 2024, Kate se rendait à la London Clinic pour une opération à l'abdomen. Depuis, la princesse n'avait pas été vue en public. Une absence qui a enflammé les tabloïds et la population britannique. Ce 22 mars, la révélation de Kate Middleton a choqué aux quatre coins de la planète. Kate Middleton annonce être atteinte d'un cancer ces dernières semaines, les rumeurs les plus folles couraient dans la presse britannique et sur les réseaux sociaux. La princesse Kate n'avait pas été vue en public depuis Noël, inquiétant vivement outre-Manche. En janvier dernier, l'épouse de William avait été opérée à l'abdomen et n'avait plus été vue publiquement par la suite. Kate Middleton a choisi de révéler les raisons de son absence remarquée. Dans une vidéo touchante, elle explique que ses médecins lui ont diagnostiqué un cancer. Sur conseil de l'équipe médicale, la princesse a alors débuté depuis peu une chimiothérapie préventive. Kate a d'ailleurs appelé au respect de sa vie privée et de son intimité, et à celle de sa famille. Une annonce qui choque le monde, cette annonce inattendue, qui survient quelques semaines seulement après la révélation du cancer de Charles III, a suscité une vague d'émotions. Ce dernier a d'ailleurs exprimé sa fierté à saluer le courage de la princesse, selon le Daily Mail. Sur les réseaux sociaux notamment, les internautes de nombreux pays expriment leur soutien à la princesse de Galles. En effet, ces dernières semaines, des rumeurs avançaient que Kate Middleton pouvait être malade, d'où son absence, mais peu de spéculations invoquaient un cancer. Du côté des tabloïds britanniques, la thèse d'un divorce et d'infidélité de la part du prince William était abordée depuis plusieurs jours. Kate Middleton a remercié les Britanniques pour leur soutien, mais aussi son époux pour le réconfort apporté.